Alors, je reprends. Oui, donc le monsieur d'hier, du rendez-vous d'hier, bonjour à l'empêchement, voilà. Et donc, il m'a dit, alors je lui ai dit, je suis, écoute, non, d'accord, je comprends, c'est compréhensif, mais un texto qui prend moins de 2 minutes, me dire, je ne serai pas là, ou pas là cet après-midi, voilà. Oui, mais bon, j'étais pris, j'étais. Je pense qu'il a dû être allé voir sa femme parfaite avec son. Parce que ce monsieur, en plus, vous donne des leçons, mais donc il est marié. Je l'avais dit sur la vidéo précédente, pardon, je viens de manger des pop-corns. Voilà, donc en gros, il fait oui, je me ferai pardonner par un bisou. Je réponds pas, il fait ou pas, et je fais ok, bisous. Voilà, j'en ai rien à faire de ce monsieur. Il va pas lâcher l'affaire tant que je lui dis pas, mais je laisse venir. Ah! Un avion. Non, c'est-à-dire que je sais pas combien de milliers d'euros qui viennent partir en fumée. Voilà la fille, les impôts. Voilà. Un truc de France à Saint-Jean-de-Luz, à l'heure actuelle, c'est beau, c'est sympa. Pendant le premier confinement, ça avait été la panique parce que. Oh! Ça avait été la panique parce que à un moment, il y avait eu les essais de la patrouille de France parce que c'était programmé, qu'on peut pas déprogrammer, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment. Bon, bref. En tout cas, ce monsieur, dont j'en ai rien à foutre, j'ai plus de nouvelles depuis tout à l'heure. C'est très bien, on s'en fiche. Là, je suis mal positionnée. Voilà, donc c'était la deuxième partie du vlog numéro 6. J'essaierai de supprimer. Oh, le bordel, des trucs. De supprimer plus de choses que j'ai fait tout à l'heure. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, donc, j'aurai Elena. Et la semaine d'après, je serai chez mes parents, donc j'essaierai de faire un vlog à un moment où je ne les ai pas. J'essaierai de faire un vlog dans la voiture, non, chez Maüs. Ah oui, alors, par rapport aux punaises de lit, moi, j'en ai pas pour l'instant. Alors, deux choses. Les punaises de lit, j'en ai pas pour le moment. J'espère que vous non plus, hein, j'espère. Et donc, ma mère me dit, c'était la grande conversation de la semaine de ma mère, fait oui, par rapport à Emmaüs. Alors, Emmaüs, moi, j'avais prévu, de toute façon, d'y aller et de mettre tout dans et toutes les affaires que j'achète dans un sac que je jetterai après. Voilà, c'est bon, vous avez des couilles, Top Gun. Voilà, et je sais plus tout dire, et donc de tout mettre, mais de tout mettre dans un sac poubelle qui ne touchera pas. Alors ma mère pourrait pas directement dans un sac poubelle. Je fais ok, mais à Emmaüs Pau, en tout cas, je sais pas comment ça fonctionne dans les autres, ils agrafent. Donc il suffit que c'est pas très grand. Alors je peux faire mettre un vieux sac de course, après remettre ça dans un sac et après tout jeter dès que je rentre à la maison, tout mettre à 60. Elle me dit, si tu achètes des pulls mêlés au congélateur, si ça passe pas à 60. Alors 60 plus désinfectant. Voilà. Quand je peux, je fais des machines à 60. Voilà. Après, mes hums. Et puis, je voulais dire, mes hums. Voilà. J'ai fini le. Alors, je suis à 90% du premier patchwork de Noël. Elle se reconnaîtra, c'est pour elle que je fais des vidéos comme ça. Après, j'attends encore des livraisons Temu pour du tissu de Noël pour le deuxième patchwork. Voilà, ça va être assez rapide. J'ai bataillé sur un patchwork d'emménagement, mais je pense que c'est la qualité du fil. Je sais pas, je sais plus où j'ai acheté ce fil-là. Aucune idée. Est-ce que je n'ai pas acheté ça à Lidl? Parce que le fil noir que j'utilise pour le patchwork d'aménagement, je l'ai acheté à Sèvres Tissus. Et celui-là, je crois que je ne sais pas si. Je ne me rappelle plus où je l'ai acheté. Est-ce que j'ai acheté à Lidl ou ailleurs? Je ne sais plus. Mais en tout cas, il n'y en a pas trop. Et je travaille sur le rouge. Après, sur l'autre patchwork, je travaille avec du fil rouge. Voilà. Donc, 4,20 plus 22, ça fait un petit vlog de 28 minutes. Voilà, il y avait beaucoup de choses à dire, des rencontres de merde. Là, cette semaine, j'ai deux plans HUC, mardi et jeudi. Un sur Randheim lundi après la réunion. Enfin, pas parents prof, mais la réunion phare contre le harcèlement sexuel scolaire. Ça peut être sexuel aussi, malheureusement. Scolaire. Et l'autre à Biarritz jeudi. Bon, on verra bien si ça plante pas. Voilà, en tout cas, ah oui, il y a des mecs de disons demain, un mec qui m'avait contacté, avec qui j'avais bu un verre l'année dernière, qui me recontacte cette année.
Il fait, ah, non, non, je me souviens pas de toi. Il fait, ah, nana. Et je prends le vocal, je suis espèce de gros con. Bien sûr, je me souviens de toi. Mais tu crois que j'ai envie de te voir? Et j'ai dit, j'ai envoyé, j'ai bloqué. Non, à un moment, il faut être honnête avec les gens. C'est parce que, en gros, j'avais bu un café avec lui. Et c'était pendant les fêtes du Rune. Et à un moment, il m'appelle. Enfin, il m'appelle pas, il m'a des vocaux dégueulasses. Et je l'appelle. Et là, il me fait, qu'est-ce que tu m'appelles? Je suis avec mes potes. Ah, ok, t'es avec tes potes. Et là, depuis, j'avais plus de nouvelles. Mais comme il me plaisait, je l'ai pas forcément tout de suite reconnu. En plus, c'était un autre nom sur une autre ville qui est à côté. Mais je pense qu'il a dû se faire gercler de disons demain. Et parce que normalement, il habite à Urugne. Et un mec d'Urugne, ça va pas habiter en Daï. Et vice versa. Voilà. Et bref. Donc, je l'ai jeté. À un moment, j'essaie de me respecter, ça fonctionne pas. Je me respecte pas, ça fonctionne pas. Donc, à un moment, il faut arrêter. Je prends comme ça vient. Et si j'ai envie d'être respectée, c'est pas que j'ai envie d'être respectée. C'est quand les choses me plaisent pas, c'est dégueulasse la façon dont je fonctionne. C'est-à-dire que je m'auto-flagelle. Moi, je suis nulle, je suis moche, je pue de la gueule, je suis un mauvais coup. Voilà. Et, on n'a pas fini l'histoire. Hein. Est-ce que vous avez fini l'histoire quand... Vous me dites dans les commentaires si j'ai fini l'histoire du pont quand il m'a récupéré, qu'il m'a pris la tête. Oui, non, c'est à ce moment-là, oui, mais ça a duré une bonne demi-heure. Hein. J'ai pas été chez moi avant 23 heures. Hein. Ah, c'est pénible, les gens comme ça. Enfin, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Vous en foutez surtout. Je ne reverrai pas ce monsieur. Enfin, vous en foutez dans l'absolu. Mais bon, ce monsieur, je pense qu'il a compris que, voilà, que je n'avais rien à faire. Voilà, voilà. Je vous dis une bonne semaine. Je vous dis au vlog 7 la semaine prochaine. Bisous, bisous. Bisous.